venant devant toi pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Toi seul, Seigneur, mérite, Seigneur, les louanges, Saint-Esprit, et les adorations, Père. Toi seul, Saint-Esprit, mérite que l'on puisse se prosterner, Seigneur, au-devant de toi, Père. Toi seul mérite, Saint-Esprit, toutes ces louanges, toutes ces actions de grâce éternelle. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Tu es comme
là. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Il t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Il t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Encore remercier le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse encore remercier le Seigneur pour sa présence. J'aimerais encore qu'on puisse remercier le Seigneur pour sa royauté, pour sa majesté, pour son sacrifice à la croix de Golgotha. Parce que si toi et moi nous sommes ici ce matin, parce que si toi tu es là dans ta maison, dans ton salon, en train de regarder le culte ce matin, c'est grâce au sacrifice de la croix de Golgotha. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions encore remercier le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci encore pour le sacrifice à la croix de Golgotha. Merci à toi, Seigneur, le Créateur des cieux et la terre. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 5. Jean 5 à partir du verset 1. Souvenez-vous ce que je vous ai dit ce matin. Bienvenue à la piscine de Bethesda. Oh, saisis ton miracle ce matin. Amen. La Bible nous dit que c'est les violents qui entreront dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans Jean 5, à partir du verset 1. Tout le monde a trouvé ? Amen. Gloire à Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, amen, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et tu peux rajouter ta situation, amen, qui attendaient le mouvement de l'eau, amen, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et nous savons que nous, l'eau de vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous savons que si nous avons vu Jésus-Christ, alors nous avons vu le Père. Et nous savons que si nous avons vu le Père, alors nous avons vu le Saint-Esprit. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Je reprends. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le royaume des cieux appartient aux violents. Donc là, il ne s'agit pas du premier qui arrive sur les lieux. Amen. Là, il s'agit de toi et ta foi. Amen. Oh. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui
qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, reposhinga barebosta, reposhanga barebosha baba. Il y a une puissance, reposhinga barebosanga barebosha baba baba. Il y a une puissance, reposhanga barebo, reposhanga barebosanga baba barebosha baba. Il y a une puissance. 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 Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance. J'aimerais que tu te lèves ce matin. S'il te plaît, lève-toi ce matin. Rebo Shangaba, fais ce pas de foi. Rebo Shangaba, Rebo Shingaba.
nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom. Rebochangabare, s'il vous plaît. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Rebochangabare, rebochangabare. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Oh, sois rempli ce matin. Dans le nom de Rebocha. Jésus. J'entends les chaînes, Rebocha, tomber. J'entends les Rebocha, chaînes. Ngaba, Rebocha, Ngaba, Rebocha, Ngaba, Rebocha. Ah. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Continuez à chanter, s'il vous plaît, les chants. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Rebo Shangaba, Rebo Shangaba, Rebo Shangaba, Rebo Shangaba, Rebo Shangaba, Rebo Shangaba, les chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Satan, tu as menti. J'entends les chaînes tomber. Satan, tu as menti. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Serebo Shangabare, Bo Sangabare, Yerebo Shangabare, Sangaba. Oh Saint-Esprit, encore une fois. Encore une fois, Saint-Esprit. Encore une fois, Saint-Esprit. Descends encore une fois. Descends encore une fois. Descends encore une fois. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction.
sang sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon dessein est dans le creux de ta main. Que ton nom descende sur moi. Sur moi et rébauché. Assoiffé. Rébauché. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé. L'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Descends sur ton église. La cavalerie est en ces lieux. Les anges sont en ces lieux. Les anges sont en ces lieux. De la tête jusqu'aux pieds. Rebosha gaba. Que ton onction descende sur moi. Une dimension nouvelle. Rebosha. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oh, sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction Rebochangaba, l'Éternel me dit que ce n'est pas encore fini. Rebochangaba, sur moi et diminue un peu s'il vous plaît. Continue à jouer mais diminue un peu. L'Éternel me dit que ce n'est pas encore fini. Rebocha, le panier circule encore. Rebochingaba, rebosoko, popopopo, marabaché. Rebochingaba, rebosa, le panier circule encore. Rebochaga, rebos. Assoiffé que ton nom. Le panier circule encore. Sur moi et disposé. Rebochagaba. Ce
n'est pas encore fini. Plus que quelques minutes. Sur moi Que ton onction descende sur moi. Rebo shangaba rebo sangaba rebo. Rebo shangaba rebo sakere. Que ton onction descende sur nous. 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 Jésus le roi des rois, oh. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois, oh. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus la manne cachée. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'étoile du matin. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois, oh. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus la manne cachée. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'étoile du matin. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus notre Seigneur, oh. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur. Jésus le roi des rois, oh, oh. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer Jésus. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je le confesse ce matin. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je le déclare ce matin. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chante alléluia, Jésus est roi. Où est le Seigneur, Jésus.
Tu lui es reconnaissant. Moi je bouge comme ça. Moi je bouge comme ça. Ça c'est ma manière de danser. Hein. Ça c'est ma manière de reconnaître qu'il est roi. Moi je sais pas comment tu danses. Mais moi je bouge seulement comme ça. Hey, c'est lui qui m'a donné la vie. Oh, oh, oh. Hey, je peux sauter grâce à lui. Oh non, il est trop fort ce Dieu-là. Hey, chantez, louez, qui est Jésus? Se réjouir de là où il est. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Oh Jésus. Tes bienfaits sont trop grands. Mmh. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, devant moi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile dans les mains d'un potier, donne-moi la forme qui te plaît.
toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Alléluia. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je m'étends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. L'Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces temps, Seigneur, que tu nous as donné, mon Dieu, mon roi. Je dis encore une fois merci à toi, ô Père, parce qu'il t'a semblé bon, Seigneur, ô Dieu, de nous rassembler encore une fois ce matin pour écouter ta parole, notre Dieu. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains, notre Dieu. Du début à la fin, que tu sois l'alpha et l'oméga. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit au contrôle de tout, notre Dieu. Père de gloire tout-puissant, je me remets, Seigneur, entre tes saintes mains, mon Dieu. Que je sois le simple canal par lequel, Seigneur, tu vas parler à ton peuple. Que je me diminue, Seigneur, afin que ton nom, Seigneur, croisse, ô Dieu de gloire. Père, je recommande ton peuple qui est venu si nombreux pour écouter ta parole. Et ceux qui sont, Seigneur, dans les réseaux sociaux, je les recommande, Seigneur, entre tes mains, notre Dieu. Que nos cœurs soient des... Que nos cœurs, ô Dieu, soient des terres fertiles pour recevoir ta parole, notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons amen. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. J'ai béni encore une fois la présence de tout et chacun parmi nous. Et je salue tous ceux qui sont dans le Facebook ou dans le YouTube au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons été bénis par un message fort qui était la dynamique de la vision. Et l'homme de Dieu nous a parlé sur beaucoup de choses. Ce qui m'avait retenu, c'est que l'Église, nous sommes contraints, nous sommes obligés de parler un même langage. Amen. Et ce matin, encore une fois, le Seigneur va nous parler, le Seigneur va permettre que nous puissions parler encore un sujet ou une exhortation qui sera aussi importante dans le temps. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Je lis Hébreux chapitre 6, versets 10 à 13, à 12, pardon. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendra encore des services aux saints, aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent le promesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler au sujet d'une exhortation ou d'un thème, comme vous voulez, que Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste. Et si vous me permettez, tu vas dire à ton voisin qui est à côté, tu lui diras que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, mon frère. Et
Le début du chapitre nous montre ou relate les conséquences de l'abandon de la foi. Et quand nous lisons le chapitre 6, nous verrons que dans les chapitres 4, 6, on voit que le peuple juif, parce qu'il s'agit du peuple juif, il voulait abandonner la foi. Et dans un contexte un peu délicat, parce que l'auteur de ces chapitres, ou l'auteur de ces livres, le vrai, on ne le connaît pas exactement. Les uns disent c'est l'apôtre Paul, les autres disent c'est Silas, il y a beaucoup d'interprétations. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen, hein? Et dans le contexte actuel, c'était une période difficile. Et l'auteur nous révèle, quand nous lisons dans le premier chapitre, dans le premier verset, il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. L'auteur commence à rappeler au peuple juif que vous ne pouvez pas vous rester dans l'état d'un enfant. Vous devez par contre faire des progrès. Vous ne pouvez pas rester dans un état de l'enfant. Et vous devez grandir. Et il a dit que sans poser de nouveaux fondements, sans poser de nouveaux fondements. Et il est rappelé que moi, je ne viens pas vous apporter quelque chose de nouveau. Mais mon souhait est que vous ne restez pas des enfants. Vous ne restez pas des enfants, vous devez progresser. Voilà pourquoi la parole nous dit que là. Voilà pourquoi la vie chrétienne est une vie de progrès en progrès. Et à chaque jour, à chaque étape, un enfant de Dieu doit grandir. Et la parole nous dit que, il a dit, je ne viens pas vous apporter quelque chose de nouveau. Mais ce qui est important, vous devez grandir. Et qu'il leur montre le pilier ou la doctrine de la foi chrétienne. Il hésite d'abord, il a dit, l'abandon des œuvres mortes. En d'autres termes, c'est la repentance. Il leur montre le pilier de la foi chrétienne, le pilier de la doctrine chrétienne. Que quand tu es chrétien, tu dois savoir ces choses-là. Qu'il y a d'abord l'abandon de la foi. Pardon, il y a d'abord l'abandon des œuvres mortes ou la repentance. Un chrétien est obligé d'abandonner tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu, tout ce qui est des œuvres mortes. Et la deuxième chose qui lui parle de la foi en Jésus-Christ, pour dire qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas une autre ici, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et le troisième pilier, c'est l'enseignement sur les différents. Sur les différents baptêmes. Il y a le baptême de l'eau et le baptême par le Saint-Esprit. Et la quatrième, il parle de la résurrection des morts. Bien-aimé, étant que les chrétiens, nous devons croire à ces choses-là. Nous devons croire qu'il y a un jour, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront. Et ça, ce sont des vérités bibliques que les chrétiens et les chrétiens doivent savoir. Et dernier pilier, c'est le jugement dernier. Bien-aimé, nous devons savoir qu'il y aura un jour où Dieu, il siégera dans son trône, où il jugera le bon et le mauvais, où il séparera le plaid et le livré. Alléluia. Parce que nous devons savoir que l'enfer existe et le paradis aussi existe. Donc il y aura un jour où tout le monde va passer au jugement. Ça, c'est ce que l'auteur rappelle au peuple juif. Et c'est ce qui fait la doctrine chrétienne, c'est ce qui fait le pilier de notre foi. L'abandon des êtres morts, la foi en Jésus-Christ,
ce que j'ai fait? Quelle est la récompense dans tout ce que j'ai fait? Tu as fait beaucoup pour le Seigneur. Tu as beaucoup fait pour le Seigneur. Tu as consenti beaucoup les efforts. Tu t'es engagé dans les affaires de Dieu. Mais à un moment donné, tu commences à avoir la lassitude. Tu commences à avoir des découragements. Mais je vais te dire une chose. Que Dieu n'a pas oublié ton travail. Dieu n'a pas oublié ton travail. Et à un moment donné, tu as l'impression que tu es abandonné. Que Dieu ne considère pas ton travail. Que tout ce que tu fais, c'est pour rien. Mais je vais te dire que tu dois avoir confiance à ce Dieu-là. Que Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Et il est fidèle à sa promesse. Notre Dieu ne nous ment pas. Le Dieu que tu sers, il est juste. Il est juste. Il ne possède pas la justice. Il est la justice. C'est son caractère. Tu ne peux jamais, on ne peut jamais le changer. Votre travail, bien-aimé, n'est pas en vain. Dieu n'oublie pas le travail que nous accomplissons pour lui. Jamais aucune œuvre n'est perdue. Et aucune œuvre ne vaine quand nous travaillons pour Dieu. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui tu es découragé. Peut-être tu te crois que tu es délaissé. Ce que tu as fait, des années que tu as passées. Je ne sais pas combien de temps que tu es dans le Seigneur. Mais tu as tout donné pour Jésus. Tu as tout donné pour l'Église. Mais sache-le, mon frère et ma soeur, que le travail que tu fais, le travail que nous faisons, ce n'est pas les hommes qui vont nous rémunérer. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les hommes qui vont nous rémunérer. Alléluia. Ça peut te choquer. Mais quand tu sers Dieu, quand tu fais quelque chose pour ton frère, n'attendez pas à son retour qu'il te donne quelque chose. Alléluia. Tu sers quelqu'un, mais c'est Dieu qui rémunère. Alléluia. C'est Dieu qui rémunère. Nous savons tous que quand nous partons au travail, tu fais un travail et c'est ton patron qui te donne l'argent. Mais dans le service de Dieu, dans le travail de Dieu, c'est autrement. C'est-à-dire, tu donnes à ton frère. Tu donnes à l'Église, mais ne t'attends pas que l'Église te rémunère. Ne t'attends pas quelque chose à ton frère. Mais c'est Dieu qui va te rémunérer. Alléluia. Alléluia. Parce que le travail que tu fais, tu ne le fais pas pour l'Église. Tu ne le fais pas pour ton frère. Mais tu le fais pour que Dieu puisse te rémunérer. Et il a dit, il n'oublie pas le travail. Il a dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Peut-être que quand tu fais des choses, tu te dis, j'ai beaucoup donné à l'Église. J'ai déjà fait beaucoup pour ses frères. J'ai déjà fait beaucoup. Et il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Mais sache-le, mon frère et ma soeur, que Dieu que nous servons, il n'a pas oublié ton travail. Dieu n'oublie pas le travail que nous faisons. Oui. Les circonstances de la vie peuvent t'amener à abandonner. Bien-aimé, le diable est là pour nous tromper. Il est là, le diable te dira, ce que tu fais, tu le fais pour les hommes. Ce que tu fais, tu le fais pour rien. Tiens, tu as beaucoup déjà dépensé ton énergie. Tu as beaucoup dépensé ton argent. Laisse, parce que tu n'auras rien à la fin. Mais sachez que ma sœur et mon frère, le Dieu que nous servons, il ne nous abandonnera jamais. Car Dieu n'est pas injuste. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Oui, je voulais que ce matin, que chacun de nous sorte de ces lieux. Que la vérité que nous avons, la vérité est que Dieu n'est pas injuste. Cela doit être ancré dans notre cœur. Cela doit être considéré comme une vérité que notre Dieu est juste et fidèle à sa promesse.
toujours de nos actions ou de nos œuvres. Dieu n'a pas oublié ce que nous faisons pour lui. Je vais... Dieu, il s'est manifesté. La première personne, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 16 à 18. 2 Timothée, chapitre 1, versets 16 à 18. La Bible dit ceci, 2 Timothée, chapitre 1. Merci. 2 Timothée, chapitre 1, versets 16 à 18. La Bible dit ceci, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Onésiphore, car il m'a sauvé, consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alléluia. Bien-aimé, ici on voit l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il a dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Onésiphore. Bien-aimé, ici l'apôtre Paul était en prison. Il était en prison, il était incarcéré. Et si vous lisez quelques chapitres ou versets, la Bible dit qu'il a été abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Mais il y a eu un frère au nom de Onésiphore. Il s'est permis d'aller visiter l'apôtre Paul. Et quand nous lisons le contexte dans lequel il est parti, et la Bible dit qu'il était parti à Rome. Or, pendant ce temps-là, on persécutait l'Église. Et certainement, on cherchait les complices de l'apôtre Paul. Mais lui, il a rendu service, non pas seulement à l'apôtre Paul, même aux chrétiens d'Éphèse. Et quand nous lisons, la Bible dit que la récompense, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur sa maison. L'apôtre Paul prie pour que Dieu puisse se souvenir de ce que son fils avait fait. Bien-aimé, l'apôtre Paul était dans la prison. Et on a dit qu'il est venu, il a dit, dans verset 16, il a dit, Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il m'a souvent consolé. Bien-aimé, les services que nous devons faire, quand il y a un frère qui est dans le besoin, quand il y a un frère qui est dans les tourments, qui traverse dans les moments difficiles, c'est la moindre des choses, c'est de lui venir en aide. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu à la consolation. Je ne sais pas si nous avons des Onésiphores aujourd'hui dans les églises. Quand un frère est abattu, quand une soeur ou un frère a perdu un membre de la famille, quand il a perdu son emploi, quand il est découragé, quand il traverse des moments difficiles, qu'est-ce que tu apportes à ce frère-là? La Bible nous dit que le fort doit supporter le faible. L'apôtre Paul était dans un moment de faiblesse. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tu vois un frère dans un état de faiblesse, mais tu lui dis encore, frère, je sais que tu es faible. Non. La moindre des choses, c'est de le consoler, de le supporter. Parce qu'il est déjà faible. Parce qu'il est déjà faible. Et l'apôtre Paul a rajouté encore. L'apôtre Paul a dit encore que tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Oui. Bien-aimé, le service que nous rendons aux frères, le service que nous rendons aux sœurs et aux frères, Dieu est juste. Dieu est juste. Il y a beaucoup d'exemples. Faute de temps, nous allons aller un peu plus vite. Il y a aussi Épaphrodite dans Philippiens chapitre 2, versets 25 à 29. Philippiens chapitre 2. Là, c'est Épaphrodite. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il a dit ceci.
J'estimais nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Alléluia. De quoi pourvoir à mes besoins. Là, on voit des hommes, là, on voit la personne. L'apôtre Paul nous parle des besoins, de la nécessité qu'il avait besoin. Et la Bible dit que Dieu n'oublie pas les services que nous rendons aux saints. Alléluia. Les services que nous rendons aux saints, Dieu ne l'oublie pas. L'apôtre Paul a dit que pourvoir à mes besoins. Et il ajoute encore dans le verset, il a dit, il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'use pas tristesse sur tristesse. Alléluia. Pour nous dire que, mes bien-aimés, Dieu se souvient toujours de ce que nous faisons. Dieu se souvient toujours des actes que nous posons à l'égard de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Il a été malade auprès même de mourir. Mais Dieu n'a pas oublié les services. Dieu n'a pas oublié tout ce que Épaphrodite il avait fait pour son serviteur. Et vous verrez qu'à tel point, Épaphrodite il avait fait un voyage particulièrement dangereux pour subvenir aux besoins de l'apôtre Paul. Bien-aimés, combien d'entre nous prennent les risques d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur quand il est dans le besoin? Et on voit aussi Dorcas, cette femme qui était morte, mais parce que la Bible nous dit qu'elle était une femme généreuse. Elle faisait des biens, elle faisait des dons, elle donnait tout ce qu'elle avait aux veuves, aux orphelins, en d'autres termes, aux saints. Et la parole nous dit que quand elle est morte, oh, les femmes, les hommes, à mon avis aussi, ils étaient là. Les enfants, ils pleuraient pour cette dame. Alléluia. Ils pleuraient pour cette dame, pour tous les bienfaits qu'elle faisait pour l'église. Et la parole nous dit que Pierre, quand ils ont vu, les apôtres, quand ils ont vu ça, Dieu a mis dans leur cœur que non, vous devez faire quelque chose. La parole nous dit que Dorcas ou Tabitha, elle est revenue à la vie à cause de ce qu'elle faisait avant. Alléluia. À cause de ce qu'elle faisait. Pour nous dire que, mes bien-aimés, le travail que tu fais aujourd'hui, le travail que tu fais, le bienfait que tu fais à travers tes frères et tes sœurs, ce n'est pas un travail jeté à la poubelle. Dieu va se souvenir de cela. Peut-être tu ne vois qu'il n'y a rien, mais Dieu va te souvenir à cela. Oh, je pense à mes bien-aimés qui passent des heures et des heures pour les travaux ici. Alléluia. Et il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de frères, et en particulier à notre pasteur Ifan, presque tous les week-ends, il est là. Il y a certains frères, tous les week-ends, ils sont là. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. N'attendez pas que l'église vous donne quelque chose. N'attendez pas qu'un frère ou une sœur te dise merci. Le travail que vous faites, le travail que vous faites tous les week-ends, bien-aimés, il y a quelqu'un qui est dans les cieux. C'est lui qui est votre rémunérateur. C'est lui qui est votre rémunérateur. Le temps que vous passez ici, le temps que vous passez, les sacrifices que vous consentez ici, c'est Dieu qui va vous rémunérer. Alléluia. Vous devez savoir, mes bien-aimés, que le travail que vous faites, le travail que vous faites, Dieu n'est pas injuste. En d'autres termes, Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. C'est nous les hommes qui sommes ingrats. Dernièrement, on m'avait appelé dans un couple. Il y avait un couple, ils m'ont appelé. Et la sœur, elle se plaignait. Elle disait, frère, tu as vu ton frère? J'ai fait tout pour lui. Il était au pays. J'ai galéré avec mon travail. J'ai galéré avec mon travail pour qu'il vienne ici en Europe. J'ai galéré beaucoup. Je pouvais même faire venir l'un des membres de ma famille, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait parce que je l'aimais.
et je le fais venir ici. Mais regarde ce qu'il m'a fait. Il commence à aller à gauche, à droite. Bien-aimé, je l'ai conseillé. Je lui ai dit, ma soeur, tu as fait des bonnes œuvres. Tu as fait quelque chose de bien. Mais vous savez, l'homme restera toujours ingrat. L'homme, tu peux faire tout pour lui. Mais un jour, il ne te dira jamais merci. Il ne te dira jamais merci. Et cela est inverse. Que tu peux aussi venir faire venir une femme. Mais au retour, elle peut commencer à faire autre chose. Mais nous ne devons pas attendre quelque chose des hommes. Alléluia. Nous ne pouvons pas attendre quelque chose des hommes. Mais notre rémunérateur, c'est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu fais des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Tu donnes ton argent pour l'œuvre de Dieu. Tu mets le carburant pour venir ici. Peut-être tu commences à être déjà fatigué. Tu te dis, j'ai fait beaucoup déjà pour cette église. J'ai été malade, personne n'était venu me voir. J'ai perdu quelqu'un de ma famille, personne n'est venu me voir. J'ai été ceci, j'ai été cela, personne n'est venu me voir. Mais ma soeur et mon frère, je vais t'encourager aujourd'hui. N'attendez rien de l'homme. N'attendez rien de l'homme. Mais dis, tu dois savoir une réalité. Tu dois savoir une vérité, mon frère et ma soeur. Que notre Dieu, ton Dieu là que tu sers, il n'est pas juste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour que tu manifestes pour l'œuvre de Dieu. L'amour que tu manifestes pour ton frère. Bien-aimé, ne te décourage pas. Et il a dit, pour son nom, ayant rendu encore des services aux saints. Il a dit, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et renda encore. Alléluia. Donc, ne soyez pas découragés. Le bien que tu fais, les services que tu rends pour les lèvres de Dieu, ne te décourage pas. La Bible te pousse encore, t'incite encore de rendre encore le bien. Et quelque part, l'apôtre Paul nous dit de continuer de faire le bien. C'est difficile, hein? Tu fais du bien à quelqu'un, mais au retour, il ne te donne jamais merci. Au retour, il ne te fait rien. Mais la Bible nous dit de continuer de faire le bien. Alléluia. Aux yeux des hommes, c'est difficile. Mais je vais te dire une chose. De continuer de faire le bien. Et il y a encore quelqu'un, Néhémie. Si nous lisons dans Néhémie chapitre 5, verset 19. Néhémie, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé, quelqu'un, c'était quelqu'un qui a rendu beaucoup de services dans l'œuvre de Dieu. Quand nous regardons, il était dans un palais royal. Il était bien dans son palais. Il était bien, il était assis. Mais la Bible nous dit qu'un jour, quand il a entendu que le muraille de Jérusalem était détruit, il a demandé la permission au roi. Roi, s'il te semble bon, permets-moi d'aller dans mon pays. Permets-moi d'aller avec mes frères pour rebâtir le muraille. Bien-aimé, Néhémie, il a accepté d'abandonner les conforts qu'il avait. Il a accepté d'abandonner les conforts qu'il avait pour aller rendre des services aux saints. Vous voyez, quelle foi qu'il avait. Quelle foi. Il a accepté d'abandonner les conforts qu'il avait. Combien d'entre nous accepteraient cela? D'abandonner le confort qu'il a pour aller servir les saints. Et nous avons vu pendant ces temps de Covid combien nous étions réticents, combien il y a certains, combien d'entre nous ne voulaient même pas visiter. On avait même peur d'aller visiter nos frères qui étaient malades. Combien d'entre nous l'ont fait? Alléluia. Mais nous avons vu des gens au péril de leur vie. Ils sont allés rendre des services aux saints. Il y a certains frères qui étaient malades.
qui étaient tout seuls. Mais ils n'avaient rien de quoi manger. Ils n'avaient rien, ils n'avaient personne. Mais combien l'Église a fait? Combien d'entre nous ont fait, ont pris des risques pour aller visiter les frères? Le service de Dieu. Oui, Dieu se souvient toujours de nous. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mes bien-aimés. Dans Actes chapitre 10, là on voit Corneille. Dieu s'est souvenu de lui pour les actes qu'il posait. Dieu est toujours fidèle. Bien-aimés, nous allons lire dans Jérémie chapitre 31, versets 16 à 17. C'est un passage qui m'a toujours frappé. Et c'est une vérité que tu dois retenir en toi. C'est une vérité que tu dois savoir. Jérémie chapitre 31, versets 16 à 17. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas une loi. Mais la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Retiens tes plaies. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Alléluia. Retiens tes larmes, retiens tes pleurs, mon frère et ma soeur. Toi qui pleures, toi qui se lamentes, toi à qui tu te crois découragé, la Bible dit retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Alléluia. Bien-aimés, les œuvres payent. Que personne ne te trompe. Les œuvres payent. Le sacrifice que tu consens pour l'œuvre de Dieu. Tu passes ton temps dans un département. Tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Mais sache qu'il y aura un salaire pour cela. Il y aura un salaire pour cela. Que le diable ne te trompe pas. Parce que notre Dieu est juste et fidèle. C'est sa nature. C'est sa nature. Vous savez, quand quelqu'un... il rigole ou il est gentil, tu ne peux pas le changer. Tu diras, certaines personnes vont lui dire, mais toi aussi tu es comme ça, pourquoi? Même si on te fait du mal, tu dis tout le temps merci, tu ne te réagis pas. Il va te dire, mais je ne sais pas comment faire. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Alléluia. C'est sa nature, tu ne peux pas le changer. C'est comme notre Dieu, c'est sa nature. Notre Dieu est juste et fidèle à ses promesses. Il est fidèle dans ses promesses. Voilà pourquoi il a dit, retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Ne te décourage pas. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Toi qui te crois que tout est perdu. Parce que tu as fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu as beaucoup de pensées. Parce que tu étais tout le temps là pour exhorter certains frères. Tu t'es dit, j'en ai marre. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Si je ne le fais pas, les autres ne le font pas. Bien-aimé, ne regarde pas ces autres-là. Ne regarde pas ces autres-là. Parce que si tu regardes les autres-là, tu ne vas pas progresser. Si tu regardes les autres, quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu rends un service, et que tu regardes les autres, tu ne vas pas progresser. Or, notre Dieu nous appelle à progresser, d'aller en progrès, comme il a dit, rendez et vous rendrez encore pour l'œuvre de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Retiens tes plaies, il y a une espérance. Il y a une espérance, mon frère et ma soeur. Retiens tes plaies, retiens tes larmes. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Pour ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, il y aura un salaire. Ne te décourage pas. Oui. Dieu, mon frère et ma soeur, Dieu veut renouveler ta force. Dieu veut renouveler tes forces. Bien-aimé, c'est souvent, quand tu traverses ces moments, c'est souvent, ce sont des moments de questionnement. Ce sont des moments où tu es épuisé. Nous battons depuis longtemps et nous sommes au bout de notre force. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, il veut te renouveler aujourd'hui. Il veut te renouveler la force. La force de Dieu est disponible pour nous.
Dieu ne nous demande pas de faire son œuvre à notre propre force. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de travailler à sa place. Dieu ne nous demande pas de faire l'œuvre par notre propre force. Il sait que nous n'arriverons jamais. Mais une chose, quand nous sommes au bout de notre force, c'est simplement, il n'y a que lui qui peut nous renouveler de sa force. Encore une fois, bien-aimés, je vais vous parler aujourd'hui encore. Dieu veut encore nous parler à travers sa parole. Quand nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous réconforter. La parole de Dieu est là pour nous booster. Quand tu es dans un moment de découragement, tu dois mettre dans ta tête que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier mon travail. Le travail que je fais pour mes frères, le travail que je fais pour ma soeur, Dieu va me récompenser à cela. Ça doit être une vérité qui doit figurer au coin de notre tête. Et cela doit être par notre entendement. La foi vient de ce qu'on attend. Et c'est la parole de Dieu qui va nous stimuler à comprendre le mystère de Dieu. C'est dans des pareils moments que Dieu désire le plus voir notre attention. Quand nous sommes découragés, quand tu te crois que Dieu a oublié mon travail, Dieu ne m'attend pas, j'ai déjà tout fait, mais Dieu ne m'attend pas. Mais c'est dans ce moment que nous devons savoir, nous devons saisir la main de Dieu. Dieu est là. Il ne désire pas nous laisser dans la confusion et dans la dépression. Même si nous sommes des fois si troublés, que nous n'attendons pas sa voix, pourtant nous avons besoin de cette voix pour avoir la foi. Une foi renouvelée, une foi continue, une foi régénérée pour continuer la marche avec notre Seigneur. Alléluia. Et dans Jérémie chapitre 2, versets 2 à 3, la Bible nous parle. La Bible nous dit, Jérémie chapitre 2, versets 2 à 3, la Bible dit ceci, Jérémie chapitre 2, chapitre 2, versets à 2 jusqu'à 3. La Bible dit, va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Alléluia. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, lorsque tu me suivais dans le désert, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Je me souviens de ton amour. Et quand nous lisons dans Apocalypse, la Bible dit que souviens-toi de ton premier amour. Alléluia. Chacun de nous se souvient quand il avait reçu Jésus-Christ. L'enthousiasme là, comment il était assidu, comment il s'est donné pour l'œuvre de Dieu. Quand un frère était malade, comment il pourvoyait aux besoins des saints, comment il pourvoyait aux besoins des frères et des sœurs. Quand un frère est malade, comment il visitait. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, souviens-toi de cet amour-là, de cette première amour, de cette première amour que tu avais envers ton Dieu. Je me souviens de ton amour. Et même Dieu se rappelle de cela. Lorsque tu étais jeune, quand tu avais reçu Jésus-Christ, quand tu étais là, quand ton cœur bouillonnait pour le service de Dieu, quand tu ne manquais pas une réunion de prière, quand tu ne manquais pas une réunion
tu étais là. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu étais là. Tu étais là. Quand un frère avait besoin de toi, tu étais là. Quand l'église avait besoin de toi, tu étais là. Quand l'église avait besoin de ton service, tu étais là. Mais aujourd'hui, tu as tout abandonné. Parce que tu en as marre. Tu as fait beaucoup pour l'église. Tu as fait beaucoup pour un frère. Tu en as marre. Tu rencontres même à ceux qui sont des païens. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Pourquoi tu ne vas plus? J'ai déjà fait pour beaucoup dans cette église. Mais en retour, je n'ai rien réussi. Le Seigneur te dit ce matin, mon frère et ma soeur, souviens-toi de tes premiers amours. Quand tu étais fiancé, il dit, quand tu me suivais au désert, quand tu me suivais au désert, au désert que nous savons symbolise des moments difficiles, de la souffrance. Quand tu me suivais au désert, oh Jésus, tu étais le premier dans l'église pour avoir un emploi, pour avoir un titre de séjour, pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir une promotion. Tu étais le premier. On te voyait jour et nuit à l'église. Tu étais assidu dans la prière. Tu étais assidu dans les enseignements. Tu étais tout le temps, tu étais là. À 10h pile, on te voyait à l'église. À 18h pile, on te voyait dans les réunions de prière. Quel que soit le temps, tu étais là. Parce que tu traversais un désert. Le Seigneur a dit, quand tu me suivais dans le désert, et à un moment donné, ce n'est pas comme ça, mais je disais, peut-être Dieu te disait non, reste là. Mais tu disais non, Seigneur, je te suivrai. Je te suivrai, je suis toujours avec toi. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas t'abandonner parce que sans toi, ma vie n'est rien. Mais aujourd'hui, tu as tout réussi. Aujourd'hui, tu as tout réussi. Aujourd'hui, tu as tout réussi. Et tu considères Dieu comme si une personne qui vaut rien dans ta vie. Alléluia. Et tu considères que Dieu n'a rien apporté dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu me suivais dans le désert. Dans une terre inculte. Dans une terre desséchée. Dans une terre aride. Tu étais là à suivre ton Seigneur. Souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela, mon frère et ma soeur, car le Dieu que tu sers est juste. Le Dieu que nous servons est juste. Le Dieu que nous servons est juste. Il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à sa promesse parce que c'est un Dieu qui est juste. Il est juste à sa parole. Il est juste, il est juste, il est juste. Il est juste, mon frère et ma soeur. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, que notre Dieu est juste. Le Dieu que nous servons, il n'est pas injuste, mais il est juste. Je vais t'encourager, mon frère et ma sœur, à continuer de faire de bien, à rendre des services à nos frères et sœurs. Ne te décourage pas, quelles que soient les situations, quelles que soient les contraintes, sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Sers ton frère. Continue à rendre des services aux saints. Parce que c'est un Dieu qui n'oublie pas le service que nous rendons. Il a dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Alléluia. En sorte que vous ne vous relâchiez point. C'est-à-dire que tu ne peux pas abandonner. Ne relâche pas. Ne cesse pas de faire le bien pour ton frère. Et il a dit,
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de personnes dans la Bible que nous avons vu. Épaphrodite, Néhémie, Dorcas, ils ont persévéré, ils ont fait beaucoup de choses et ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Par la foi, ils ont hérité de la vie. Et on peut se poser la question, mais une chose est sûre, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Amen. Hein? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Mais Jacques nous dira quelque chose de bien aussi. Dans Jacques chapitre 2, verset 18, il a dit, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Alléluia. Bien aimé, pour nous dire quoi? Tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu sans la foi. Alléluia. Tu ne peux pas accomplir les œuvres de Dieu sans la foi. Tu peux dire que j'ai la foi, mais si tu n'as pas des œuvres, ta foi est morte. Alléluia. Le pasteur Ifin et tous nos frères qui viennent ici, ils viennent ici non pas parce que ils viennent ici parce qu'ils savent, parce qu'ils d'abord ils ont la foi et ils accomplissent les œuvres et ils ont la foi que l'œuvre que nous faisons, les personnes que nous servons, il va nous rémunérer. Alléluia. Je ne sais pas, ma sœur, comme tu es telle que tu es là, sur l'œuvre que tu fais, si tu le fais pour quelqu'un. Elle le fait pour Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi Jacques dira, montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Alléluia. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si que ton ami, comme on nous a prêché, je crois, le dimanche passé ou l'autre dimanche, que tu vois ton frère à faim. Tu vois ton frère à faim, mais tu lui dis, tu pries et que tu le laisses partir alors qu'il y a la nourriture chez toi. Alléluia. Après, tu te dis que moi j'ai la foi. Non. Non. Tu as la foi si tu as donné quelque chose à ton frère. Voilà pourquoi Jacques dira, montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre que nous faisons dans le service, dans l'œuvre de Dieu est très importante. Voilà pourquoi j'encourage nos frères et sœurs de continuer à faire le bien. De continuer à faire le bien pour l'Église, pour les frères qui sont autour de toi. Alléluia. Qui sont autour de toi. Parce que la personne que tu sers, il va te rémunérer. N'attendez rien de personne. Parce que Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier votre travail. Peut-être ça fait déjà longtemps. Mais Dieu va se souvenir toujours. Dieu va se souvenir toujours. Rappelez-vous qu'il y a un livre de souvenirs. Alléluia. À mon avis, ce livre n'est pas seulement pour la fin. Mais il y a des moments, Dieu l'ouvre encore. Alléluia. N'est pas seulement pour la fin que Dieu va se souvenir. Non. À mon avis, ce livre, Dieu l'ouvre quand il veut et au moment opportun. Alléluia. Dieu se souvient toujours de nos œuvres. Et pour terminer, nous allons prendre 2 Timothée. Chapitre 4, verset 8. De Timothée, chapitre 4,
verset 8. Et nous allons lire aussi Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Nous lisons Philippiens chapitre 3, versets 14 à 17. Philippiens chapitre 3, 13 à 17. La Bible dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Hein? Bien-aimé, ce que tu fais, ce que nous faisons, l'œuvre que tu fais, le service que tu rends pour le service que tu rends au sang, le service que tu rends pour les autres, pour ton église, bien-aimé, il y a un seul but. C'est pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul, là où nous avons lu dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit que, si nous commençons au début, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juste, le Seigneur juste, le Seigneur juste, le Seigneur le juste et juge me la donnera, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Bien-aimé, tu es là. Tu es ici. Ce que le Seigneur nous réserve, la couronne là, tu as beaucoup donné à Dieu. Tu as beaucoup combattu pour le Seigneur. Mais il est là. Il veut te rémunérer. Désormais, la couronne de justice, il t'est réservé. Il m'est réservé. Et je terminerai mon message pour rassurer une personne, pour rassurer le peuple de Dieu, qu'avec lui, le meilleur reste toujours à venir. Bien-aimé, vous avez peut-être beaucoup travaillé dans le passé pour le Seigneur. Tu as beaucoup donné de ton temps. Tu as beaucoup donné de ton énergie. Tu as beaucoup donné de ton argent. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. Bien-aimé, oui, vous avez peut-être beaucoup donné. C'est bien maintenant. Croyez, bien-aimé, croyez encore. Croyez encore devant. Il y a encore devant toi la meilleure chose. Bien-aimé, laissez aller ce qui est déjà passé. Le juste et juge, comme nous venons de le dire, saura comment vous récompenser. Il saura comment vous récompenser. N'attendez pas à une personne. N'attendez pas à l'église de vous récompenser. Mais le juste et juge, il va vous récompenser. Votre part, mes bien-aimés, c'est de vous porter vers le haut. C'est de vous porter vers l'avant. Continuez la course de la foi. Continuez la course de la foi. Des fois, il faudra persévérer. Il faudra persévérer longtemps. Attendre longtemps en faisant ce qui est juste avant de pouvoir réellement obtenir le fruit de votre travail. Que Dieu vous bénisse. Quel ami fidèle. Alléluia. Jésus. Quel ami fidèle et tendre. Hallelujah. Oh Jésus. Nous avons en Jésus-Christ. Nous pouvons chanter pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Toujours prêt à nous
nous entendre. Oh Jésus, alléluia. Répond oh, à Jésus. Notre il crime. Répond à nos crimes, bien-aimés. Il répond à notre il crime. Connaît il nos connaît nos défaillances. Il connaît nos cris. Alléluia. Nos luttes de chaque jour. Nos luttes de chaque jour. S'éveillant ses exigences. Oh Jésus. Il est riche en il est riche son, dans son amour. Il est riche dans son amour. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Toujours prêt à nous comprendre. Alléluia. Quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Dis-lui toutes tes craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Ouvre-lui tout ton cœur. Alléluia. Bientôt ces paroles saintes. Alléluia. Bientôt ces paroles va s'accomplir dans ta vie. Rendront le vrai ouh bonheur. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Jésus. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté. Alléluia. Nous rend la liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Tout il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui. Donc les trois se voient en comptant sur son merci secours. Jésus. Merci Jésus. Bientôt nous aurons la joie. Merci, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je demanderai au pasteur Ifin de venir prier pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais, avant de prier, dire merci à Dieu parce que ce matin, en arrivant dans ces lieux, Dieu m'a donné le même message. C'est sûr que Dieu veut faire quelque chose ce matin avec quelqu'un. Si tu te sens découragé parce que tu n'as pas eu le retour des hommes, tu t'es trompé de cible. Dieu veut te guider à nouveau. Juste lève ta main. Lève juste ta main. Nous gardons nos yeux fermés. Si tu te sens découragé parce que, selon toi, tu as beaucoup donné à Dieu et tu n'as pas le retour que tu attendais de Dieu, lève juste ta main, nous allons prier. Permettez-moi que j'appelle mon épouse, qu'elle puisse avec moi, qu'elle puisse me soutenir dans cette prière. Éternel Dieu, tu vois ces mains qui sont levées. Nous nous sommes trompés de cible. Nous avons oublié ta parole qui nous dit que tu es le consommateur,
est le rémunérateur de notre foi. Nous avons regardé aux hommes. La Bible nous parle de deux récompenses. Ceux qui ont l'approbation des hommes, la première récompense, ils ont déjà eu ce qu'ils attendaient. Mais nous ne voulons pas regarder aux hommes. Nous voulons regarder à toi. Éternel Dieu de notre puissance, tu nous as dit et tu m'as dit ce matin, comme pour me donner la vision pour la deuxième partie de l'année, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu es en train d'agir comme de façon mécanique. Dieu veut t'enlever de cette façon de faire parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou peut-être parce que tu avais le Saint-Esprit et tu l'as perdu. Et quand tu commences à agir de façon mécanique, par habitude, Dieu veut te renouveler ce matin. Dieu ne veut plus que tu le fasses par ta force. Dieu veut juste que tu le laisses faire à partir de toi. Alors, lève tes mains. Et nous allons prier pour que Dieu nous accorde une part de l'Esprit ce matin. Une part de l'Esprit ce matin. Une part de l'Esprit ce matin. La part de l'Esprit nécessaire. La part de l'Esprit nécessaire. Car sans le Saint-Esprit, tout ce que tu fais est vain. Je suis assoiffé. Je suis disposé. Que ta puissance maintenant, ceux qui sont assoiffés, qui lèvent les mains, le Seigneur veut remplir quelqu'un ce matin. J'en ai la conviction, j'en ai la certitude, dès que je suis arrivé ce matin en ces lieux. Ceux qui sont assoiffés et ceux qui sont disposés ne regardent pas l'heure. Ceux qui sont assoiffés et ceux qui sont disposés, qui lèvent les mains et que nous allons chanter et chante avec nos bien-aimés. Que chacun de nous, moi aussi bien-aimé, que chacun de nous reçoive la portion nécessaire. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Je suis disposé. L'onction du service, Seigneur. Assoiffé. L'onction du service. L'onction descende sur moi. L'onction du service, Seigneur. Je suis disposé. Oh. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Éternel, nous sommes disposés, nous sommes assoiffés. La Bible dit, comme une biche soupire derrière un cours d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi ce matin. Mon âme a soif de ta présence, du Saint-Esprit, l'Esprit qui pousse à crier « Abba Père », l'Esprit qui pousse au service. Je prie ce matin pour chaque personne disposée, assoiffée, qu'il reçoive la part nécessaire, qu'il reçoive la portion nécessaire pour le service. Alléluia. Je me lève maintenant contre tout esprit de raisonnement. Je me lève maintenant contre tout esprit, éternellement Dieu de liens, des chaînes,
quelconque qui, éternellement Dieu, empêche quelqu'un d'entrer pleinement, Seigneur, dans le service pour lequel tu l'as appelé. La Bible dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour le service, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Tu nous as appelés chacun de nous pour une œuvre précise que personne d'autre ne peut faire. Je prie ce matin que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur l'appel qu'il a reçu pour le service qu'il doit donner au roi de gloire. Que ta puissance libère des chaînes, que ta puissance, ô Père, puisse éternellement Dieu, alléluia, enlever les blocages, les barrières. Éternellement Dieu, le cœur dira-t-on, soit tombé ce matin dans le nom puissant de gloire Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui est chez lui. J'aimerais te dire, alléluia. J'aimerais juste te dire, la Bible nous dit que celui qui avait reçu un talent, il a dit que mon maître est sévère. Il est allé, il a caché son talent. Et le Christ dira, je paraphrase, à celui qui a peu, on notera même le peu qu'il a. Le don que Dieu t'a donné, le service pour lequel il t'a appelé, si tu ne le rends pas, Dieu va ôter même le peu qu'il t'a donné. Je prie ce matin, dans le puissant nom de Jésus, pour qu'il y ait un réveil au-dedans de toi, pour qu'il y ait un sursaut au-dedans de toi, que tu saches que si tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a appelé de faire, tu es en train de négliger le travail. Éternel, nous te bénissons pour chacun de nous. Je te bénis pour le Saint-Esprit qui va continuer à parler au-dedans de nos cœurs. Car sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Retiens-le, bien-aimé. Sans l'Esprit, tout ce que tu fais est vain. Ajoute l'Esprit et laisse l'Esprit te conduire dans tout le service que tu veux donner. Même pour nettoyer la salle de l'église. Même pour faire les travaux. Laisse l'Esprit te guider. Pour donner à un frère, laisse l'Esprit te guider. Éternel, la Bible dit, il y a un premier qui a semé. Il y a un second qui a arrosé. Et celui qui récolte le fruit, c'est toi. Père, récolte le fruit en son temps. Ajoute le fumier autour de cet arbre qui commence à sécher. Ajoute le fumier, ajoute ta parole pour que nous puissions t'offrir un service excellent. Un service excellent. Un service rempli de zèle. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton serviteur. Bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore. Que éternellement Dieu, sa maison soit bénie et qu'il ne manque de rien dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Qui est content ce matin? Si tu es content, lève ta main, balance comme moi, balance, balance, balance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mais ça c'est pour souhaiter la bienvenue au nouveau, qu'un homme qui a la gratitude, c'est une exception. Parce que la plupart du temps, les hommes sont souvent ingrats. Mais continue de prendre soin des ingrats et Dieu te récompensera. Amen. C'est sur cette parole que je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rendent visite ici pour la première fois. Y a-t-il un nouveau, une nouvelle, un nouveau visage parmi nous?
il n'y a pas. Tu vas te tourner vers ton voisin, tu lui dis, tiens bon, Dieu est fidèle. Amen. Avant de commencer les annonces, j'aimerais tout simplement donner une petite direction. S'il vous plaît, à la sortie, lorsque nous allons faire la prière de clôture, veuillez vous rasseoir et le service de protocole viendra nous conduire chaque rangée, rangée par rangée, pour nous diriger vers la sortie. Amen. Comme première annonce, nous avons le jeûne et prière du mardi. Et la rupture de jeûne se fait ici, au temple, de 18h à 19h30. Nous avons la prière matinale du jeudi de 5h à 6h. Et le dimanche, nous avons nos cultes de 10h à 12h. Avec un temps d'intercession qui commence à partir de 9h30. Dimanche 27 juin, nous avons la visite du pasteur Adraminata de l'Église de Dieu, Frère Bureau. C'est elle qui va nous apporter le message de dimanche prochain. Alléluia. Nous encourageons aussi ceux qui invitent et ceux qui ont la volonté d'inviter, inviter encore, et Dieu nous bénira. Amen. J'aimerais nous demander un petit service, que chacun puisse tenir son offrande. Si tu n'as pas d'offrande, ce n'est pas grave, mais si tu as ton offrande, tiens ton offrande. Nous allons prier tous ensemble pour les offrandes. Si tu as ton offrande, tiens ton offrande. Nous allons prier tous ensemble pour les offrandes. Et à la sortie, tu pourras déposer ici et prendre la voie de sortie. Amen. Prie pour ton offrande et nous allons prier tous ensemble. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton immense amour. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Merci de prendre soin de nous. Merci de pouvoir nos vies, Seigneur. Nous prions, Seigneur, toi qui es le pouvoir par excellence, oh Dieu. Seigneur, que tu multiplies au centre. Seigneur, les poches, Seigneur, au Père éternel, qui vont se donner, Seigneur, au Père éternel, à ton service. Merci pour tout ce que tu fais. À toi appartient l'or et l'argent. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas pu mettre, Seigneur, contribuer, Seigneur, oh Dieu béni. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses davantage. Que tu les bénisses davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Du coup, avant qu'on puisse clôturer dans la prière, bonne fête à tous les papas. Amen. Bonne fête à tous les papas, soyez bénis. Et j'aimerais que tous ensemble, nous puissions prier pour les pères. La Bible nous dit que les hommes sont les chefs de la maison. Amen. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre juste une minute pour prier pour tous les papas. Que l'Éternel vraiment puisse encore les remplir de son Esprit Saint, qui leur donne réellement encore l'intelligence, la sagesse de pouvoir conduire leur maison. Et j'aimerais qu'on puisse également avoir une pensée particulière pour notre berger, que le Saint-Esprit vraiment l'oriente encore, que le Saint-Esprit le remplisse encore, que le Saint-Esprit le protège encore. Amen. Élevons la voix et prions. Éternel, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur pour tous ces hommes, Seigneur, que toi tu as fait Père éternel des armées. Oui, Père de gloire, c'est une bénédiction Seigneur et c'est une grâce éternelle. Papa, nous voulons bénir Saint-Esprit de tous les hommes, tous les papas qui sont en ces lieux, Papa, et également les futurs Pères éternels des armées, ceux qui sont également, Saint-Esprit, en train de nous suivre, éternel des armées, à la maison. Saint-Esprit, que tu les remplisses encore de ton Esprit Saint dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous pensons également, Seigneur, à tous les Pères, Saint-Esprit, je spirituel, éternel, que tu les remplissent encore dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, en abondance, Saint-Esprit, que tu leur donnes, Seigneur, le discernement et la sagesse, Papa, de conduire, Seigneur, leur maison dans le nom de Jésus, Papa. C'est toi qui donnes le vouloir et le fait, alors que tu leur donnes encore la volonté, Saint-Esprit de Dieu, de diriger, Seigneur, leur maison, de pourvoir aux besoins de leur maison, dans le nom de Jésus, Père, qu'ils soient encore plus éveillés, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, que ta protection divine soit sur leur vie éternelle des armées et sur le berger, Seigneur, de cette assemblée, Papa. Merci, Éternel des armées, parce que nous savons que c'est toi notre modèle, Éternel des armées. Et Père, que tu sois le modèle de tous ces papas, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît, afin que nous puissions clôturer dans la prière? Alléluia.
Éternel des armées, nous voulons encore te dire merci, nous voulons encore te bénir et nous voulons encore te rendre la gloire. Éternel, nous voulons encore te dire merci parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu magnifique, Éternel des armées. Et nul sur la terre et dans les cieux ne peut se comparer à toi. Saint-Esprit de Dieu, je remets toutes les personnes en ces lieux et toutes les personnes qui nous ont suivis en direct, Éternel des armées. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur leur vie et sur la vie de toute leur famille dans le nom de Jésus. Papa, je déclare la protection divine, je déclare la bénédiction spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marabaché, je déclare maintenant les ouvertures spirituelles et physiques dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'écrase Saint-Esprit de Dieu, toute puissance des ténèbres qui travaillait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ainsi que dimanche dans le nom puissant de Jésus. Père, tout complot maléfique éternel des armées qui était Seigneur déclaré Saint-Esprit de Dieu qui avait commencé sur la vie de tes enfants, je les annule maintenant dans le nom de Jésus. Toute alliance qui pesait encore sur eux, je les brise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Mais Père, que toi seul, tu sois leur alpha et que tu sois leur oméga, Éternel des armées. Saint-Esprit de Dieu, que cette joie qu'ils ont trouvée en toi, Papa Seigneur, qu'ils puissent encore la préserver, parce que tu le dis dans ta parole, que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Que la gloire, Seigneur, te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. N'oublions pas de donner nos offrandes. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oui, la colère et la pression, oui, tout cela était mon quotidien. Il a fait une chose extraordinaire. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Famille du Seigneur.